enfant est un garçon ou une fille qui n'a pas encore atteint l'adolescence. Il est en cours de développement et sous la responsabilité des parents ou tuteurs. L'enfant jouit des droits qui se doivent d'être respectés par tous, entendus, parents, toute la communauté humaine, sans oublier les pouvoirs publics. Parmi ces droits, il y a le droit au plein épanouissement comme le stipule la loi Potino de 2010. Ces droits de l'enfant sont-ils connus de tous? Dans les droits de l'enfant, on a dit que l'enfant doit aller à l'école. Si déjà ces droits ne sont pas respectés et connus de tous, comment pourrait-on les appliquer? Lorsque la loi déclare que l'enfant a droit à une éducation, cela veut tout simplement dire que l'enfant doit se rendre à l'école pour étudier, c'est-à-dire apprendre à lire et à écrire, et bien plus à être instruit. Seulement voilà, dans notre pays, le Congo, précisément à Pointe-Noire, bon nombre d'enfants sont privés des études et sont exploités dans différents travaux. D'autres parmi eux n'ont jamais été à l'école sous prétexte que les parents n'ont pas des moyens ou sont en état de vulnérabilité, donc malades ou handicapés. D'où ces enfants doivent travailler pour subvenir à leurs propres besoins ou à ceux de la famille. Voilà comment, dans une certaine mesure, le phénomène enfant dit de la rue ou enfant en situation de rue a pris corps dans notre société. Ces enfants commencent par être exploités dans la vente de l'eau à la sauviette, des jus de bissap et gingembre, des sacs plastiques, bref. Ils sont utilisés dans le transport des bidons d'eau comme plongeurs dans les restaurants. La liste n'est pas exhaustive. Une question tout de même. De ce point de vue, le travail précoce contribue-t-il à l'épanouissement ou à la destruction des enfants? Non, il ne les aide pas. Un enfant a de l'avenir. Il doit aller à l'école et non vendre. Et que dire des parents et des patrons d'entreprises qui exploitent ces enfants? Est-ce que c'est une façon d'aider socio-économiquement ces enfants ou de les détruire simplement? Je dirais qu'ils n'aident pas les enfants. Les parents doivent les soutenir. Les enfants doivent aller à l'école pour aider leurs parents un jour au jour de leur retraite. Que dit donc la loi par rapport à ce phénomène des enfants travailleurs, mais aussi et surtout des parents et chefs d'entreprise qui exploitent ces enfants? La loi 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo, c'est celle que nous appelons loi Potignan. Et cette loi, justement, comme je l'ai dit, protège les enfants en République du Congo et énonce des principes que nous devons de respecter en réalité. Déjà, le travail des enfants est interdit, il faut le préciser. On ne peut pas demander à un enfant de vendre et lui donner un salaire ou lui demander de rapporter des bénéfices. Genre, tu dois vendre ceci, si tu n'emmènes pas tant d'argent, je te frappe ou tu ne manges pas ou tu es puni. C'est strictement interdit par la loi. Et les personnes qui exploitent les enfants dans ce sens-là seront forcément poursuivies ici au tribunal. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi le fait qu'il y a dans cette loi ce qu'on appelle le droit à l'éducation. Dans les droits des enfants, on parle du droit à l'éducation. Et l'école est obligatoire chez nous jusqu'à 16 ans. Obligatoire. Ce qui signifie qu'en réalité, les enfants ne devraient pas être dans la rue à vendre, mais ils devraient être à l'école en train d'apprendre à devenir des adultes responsables. Si les droits des enfants existent, c'est pour protéger et assurer le plein épanouissement de ces derniers, ces cadres de demain. Aux parents, aux autorités compétentes et à la population de prendre leurs responsabilités pour que vivent les droits des enfants. Sinon.